nommé ministre de la Justice le 6 juillet 2020, dans le cadre du dernier remaniement en date du gouvernement, Éric Dupond-Moretti profite actuellement de vacances bien méritées aux côtés de sa compagne, Isabelle Boulay, après une première année très chargée au poste de garde des Sceaux. L'ancien avocat avait notamment fait la une de l'actualité pour avoir oublié de déclarer une partie de ses revenus aux impôts. Un impair qu'il a depuis rectifié. Amateur de théâtre, Éric Dupond-Moretti, qui a lui-même joué la comédie sur scène, ainsi qu'au cinéma, a assisté au spectacle de l'humoriste Gad Elmaleh samedi 31 juillet 2021, dans le cadre du festival de Ramatuelle. Accompagné par Isabelle Boulay, le ministre de la Justice a eu l'occasion de croiser de nombreuses personnalités durant cet événement. Le couple a notamment pu rencontrer l'acteur et metteur en scène Philippe Lelouch, le chanteur Enrico Macias, le comédien et humoriste Michel Bougena, le coiffeur Franck Prevot, l'ancien animateur des Amours, Tex, ainsi que le magicien Eric Antoine, qui officie également à la présentation de plusieurs émissions sur les antennes du groupe M6. Éric Dupond-Moretti a aussi eu l'occasion de retrouver un autre membre du gouvernement lors de cette soirée, en la personne de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Pour mémoire, cette dernière avait été hospitalisée le jeudi 25 mars 2021 après avoir contracté le coronavirus. Éric Dupond-Moretti avait déjà collaboré avec Gad Elmaleh sur une pièce de théâtre. Contrairement à Éric Dupond-Moretti, qui possède une maison à Nice, Roselyne Bachelot était présente à la soirée de lancement du festival de Ramatuelle dans le cadre de son travail. De son côté, le ministre de la Justice était tout simplement venu assister au spectacle de son ami Gad Elmaleh, avec qui il a joué dans une pièce de théâtre il y a maintenant quelques années. Les deux hommes avaient également été tous les deux invités de Masterclass, un programme présenté par Pierre Lescure sur France 4 en 2013.